Pour le centre, ses missions sont les suivantes, à savoir développer et promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les investissements, essayer de faire au niveau de la promotion des commerces, organiser des foires et salons avec des secteurs de haut potentiel de commerce et des investissements, essayer de faire des business forums et des missions d'hommes d'affaires entre les États membres, organiser celle des salons spécialisés et des foires générales, en même temps aussi de faire des formations dans le domaine du commerce international et des investissements, puissent aussi négocier aussi au niveau de l'OMC donc les candidatures des pays donc qui vont accéder à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. D'autre part aussi, nous faisons aussi des études de recherche dans le domaine du commerce international pour aider les hommes d'affaires et les femmes d'affaires à aller sur les marchés du monde islamique et trouver des opportunités d'affaires avec leurs consoeurs et leurs frères. À travers les nouvelles technologies de l'information, nous assurons quand même pas mal de projets. Comme vous avez si bien dit, il y a d'autres projets, mais pas exactement ces activités, surtout pour la mise en œuvre des guichets uniques au niveau des États membres, pour qu'on puisse interopérer les guichets uniques pour essayer d'aider les opérateurs économiques à commercer, à investir ensemble. L'autre aussi projet que nous sommes en train de développer, si vous le voulez, c'est essayer d'avoir un centre de business forum où on va avoir des foires et salons permanents au niveau de notre centre ici au 12e étage. Donc c'est en voie de réalisation. Donc effectivement, nous sommes arrivés quand même avec le centre de commerce international à créer une base de données unique au monde, c'est ce qu'on appelle le OIC Trade Map. Là, c'est des bases de données assez dynamiques sur le commerce et les investissements où on peut avoir, sur les 10 dernières années ou 20 dernières années, quelle est l'évolution du commerce par pays et par secteur. Ça, c'est très important. Nous sommes arrivés aussi à avoir une base de données des OPC, des organes de promotion de commerce. Il y a une base de données où on peut alerter toutes les contraintes liées au commerce. Ça, c'est une base de données qui est assez importante. Et d'autre part aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de voir comment essayer de réunir tous les guichets uniques des pays en un guichet qui peut interopérer au niveau de l'OCI. D'autre part aussi, nous sommes aussi en train de voir dans quel cadre on peut aussi créer au niveau régional des plateformes, essayer de au niveau régional pour essayer de les connecter au niveau des centres économiques de région. Pour les prochaines années, donc, nous tendons vers le commerce électronique, vers le blockchain. Donc, je pense que nous travaillerons pour les prochaines années à essayer de connecter tous les sites web des ministères de commerce, des douanes, des ministères des finances, des ministères des affaires étrangères, et en même temps aussi au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau des gens qui sont dans le commerce international, les transiteurs, les transporteurs, à essayer d'avoir un seul guichet où tout le monde peut interacter, en même temps pour interagir, pour développer les commerces et pour développer les affaires. D'autre part aussi, il y a aussi au niveau Internet, parce que maintenant tout est sur Internet, on veut avoir un site dédié, donc qui est internationalisé, où on peut avoir un satellite qui peut essayer donc d'avoir toutes les informations commerciales et d'investissement entre les États membres de l'OCI.